La bourse a pour vocation, depuis son origine, à financer l'économie réelle, quelles que soient les sociétés, quel que soit leur secteur d'activité, et leur assurer les moyens du financement sur le long terme. On peut voir que les PME-ETI, qui sont le véritable fer de lance de nos économies en Europe, véritable relais de croissance, relais de création d'emplois et d'innovation, sont extrêmement importantes pour nos économies nationales. À ce titre, au regard de la conjoncture économique actuelle, mais également de la raréfaction et du renchérissement du coût du crédit, il est essentiel que ces sociétés aient accès à des sources de financement pérennes et sur le long terme. Dans ce contexte, les marchés financiers jouent un rôle de plus en plus central pour le financement de l'économie réelle. Ils continuent à être une source de financement pour les entreprises déjà cotées, puisque, à tout moment de leur vie boursière, ces entreprises peuvent lever des capitaux en activité secondaire, soit sous forme d'actions, soit sous forme d'obligations. Nous avons lancé notre introduction en bourse en février 2007. L'objectif principal était d'accéder à de plus grands marchés de capitaux, de lever des sommes plus importantes pour financer notre développement. Nous avons réussi à lever plus d'une centaine de millions d'euros depuis notre introduction en bourse, notamment au cours de trois opérations, une en 2007, l'introduction en elle-même, une en 2009, un placement privé, et une en 2011, l'émission d'obligations remboursables en actions. On est arrivé sur les marchés, sur NYSE Euronext, début 2010, parce qu'on cherchait à ce moment-là du capital et qu'on avait un double intérêt. Le premier, de trouver ces capitaux plus rapidement qu'avec du private equity, et le second, de pouvoir financer une partie de notre développement, de notre croissance externe, avec des titres agro-génération. Dans une période où le crédit bancaire est de plus en plus difficilement accessible, et qui plus est pour des PME, le fait de se tourner vers les marchés, vers la bourse, est une solution particulièrement intéressante pour des sociétés comme la nôtre, que ce soit pour aller y lever de l'equity ou de la dette, à l'image de ce qu'on a fait avec notre obligation l'été dernier. On voit d'ailleurs de plus en plus de PME-ETI lever des obligations, ce qui leur permet de diversifier leurs sources de financement, mais également de mieux gérer la dilution de leur capital. Concernant la liquidité, là aussi, l'introduction en bourse permet aux investisseurs de valoriser leur capital à tout moment, leur permet de céder leur part, et pour l'entreprise elle-même, à tout moment, d'avoir une valorisation de ses actifs. Mais l'introduction en bourse a bien d'autres avantages. Assurer une meilleure visibilité, assurer une plus forte crédibilité à l'entreprise, mais également lui assurer un rayonnement à l'international, et cela est extrêmement important. La décision de s'introduire en bourse est prise au début de l'année 2012 et l'entreprise est maintenant cotée depuis le printemps, depuis début mai. Et nous avons pris cette décision pour essentiellement lever des fonds qui nous ont permis cette année 2012 de créer un certain nombre de filiales en Allemagne et aussi en Italie et se déployer commercialement à l'international. La cotation en bourse est un véritable catalyseur de croissance externe, mais également un formidable vecteur de recrutement et de fidélisation des salariés de l'entreprise. Mais ce sont les chefs d'entreprise qui en parlent le mieux. La cotation en bourse remplit tous les objectifs primaires et secondaires que nous nous sommes assignés. La capacité de lever plus de fonds, augmenter la visibilité de la société et augmenter sa crédibilité. De ce point de vue-là, c'est un succès et par ailleurs, ça nous a permis d'accompagner la croissance de l'entreprise qui passait d'une trentaine de collaborateurs à près de 250 aujourd'hui. Le processus est plus simple qu'il n'y paraît. L'équipe qui vous accompagne chez NYSE Euronext est parfaitement rodée aussi à accompagner des petites entreprises comme la nôtre. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais très certainement. L'introduction en bourse est une voie privilégiée pour les dirigeants d'entreprises de croissance qui ont des besoins de financement. Parce que maintenant, c'est le bon moment, mon équipe est prête pour aider les PME-ETI à profiter de cette opportunité.